Salut mes gamers, on se retrouve sur Anvil Saga, sur la démo qui était sortie sur Steam. Pendant le festival, le dev m'a envoyé une clé, donc on le reviendra sur le jeu un peu plus tard, une fois qu'il aura mis pas mal de mises à jour. Mais déjà pour le présenter, c'est vraiment pas mal, c'est un jeu de gestion de forge, avec un petit permacéornage. Là on a Arthur pour démarrer, on pourra avoir un deuxième gars qui viendra nous aider à un moment donné dans l'histoire. Et le but du jeu, c'est de faire tourner sa forge. Donc pour ça, on doit... là, il nous demande très simplement de faire 5 ordres de commande. Et là, j'ai demandé à mon petit gars de préparer des lingots. Donc il transforme ici des minerais en ici des lingots pour pouvoir fabriquer des outils une fois qu'on va ouvrir la boutique. On va tout fondre là. Il y a toute une gestion du sommeil, des points de vie, de la faim. D'ailleurs, ça me fait penser que... pour cette première journée, on va ouvrir comme ça. Vas-y, Dabai, mets-toi à l'atelier. Donc il y a des petits gars qui vont se pointer, on va accélérer le temps. J'ai mis mot de construction, non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, donc là il y a Lucienne qui vient, qui veut quoi? Un fer à cheval, donc ça demande 3 lingots pour 7 pièces. En gros, elle me rémunérait 7 pièces d'or pour le faire ça. Il y a tout un système évidemment de construction. Je vais commander de la bouffe pour moi. Et on va commander peut-être aussi un peu de minerai. Donc il y a un marchand qui va se pointer par là. Voilà, il arrive. Bonjour, avec son petit poney. Toi, que veux-tu? Et tu me payes plus tard? Ouais, non, vas-y, va-t'en. Parce qu'il y a tout un système. Voilà, là, il vous paye cash pour une clé. Et sinon, il vous paye un peu plus tard. Généralement, il y a un bonus de prix. Mais bon, vu qu'on est au début du jeu, on va pas se demander trop de négatives. Très ok, d'accord. Oui, alors ça, c'est parce qu'il y a des factions ici. Anglais, français, rebelles, je crois. Religieux, et ça, je sais pas ce que c'est. Chasseur, un truc comme ça. Donc, toi, 4. 9, toi, oui. 4 pour 11, donc toi, non. Toi, oui. Je sélectionne un peu, hein. Je fais mon pas de flou, c'est-à-dire il faut de l'oseille quand même, il faut que ça rende de l'oseille pour pouvoir construire nos bâtiments. Et faire en sorte... Ah, il me manque un peu de... Je crois qu'il en fallait 4. Voilà. Et là, on va fermer la boutique. Donc lui, il va s'en aller, il va pas être content. Et lui, il attend qu'on lui complète la commande. Voilà. Il y a eu quelques bugs, notamment Dan, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo et il n'arrivait pas à faire venir le personnage. Et le dev entre temps a sorti un patch vu qu'il y a eu pas mal... non mais en fait continue à fondre. Il y a eu pas mal de patchs qui ont été faits pour améliorer le gameplay. Donc là on va construire un sous-sol. Hop, ok, ouais c'est bon. Donc pendant ce temps nous on continue à fondre notre métal qu'on a acheté pour le transformer en lingot. Là il y a un type qui vient qui nous creuse un trou qui va nous créer une pièce. Et on va pouvoir ensuite la transformer. Tiens, va te préparer un peu de bouffe. Donc là, il y a la table pour manger. Là, il y a la réserve de bouffe. Voilà, narrateur, ok, spécifique, blablabla. Merci. Donc, on va mettre pause. Par contre, je vais pas avoir le pognon pour tout mettre, je pense. Ouais, c'est celui-là. Yep, voilà. Et là, je vais dire, on va poser un coffre. Là pour stocker les minerais. On va mettre un atelier. Voilà ça pour descendre en fait un puits. Et je crois qu'il faut un deuxième truc. Sinon il veut pas. Ah. Pourquoi tu veux pas Kikinou? Normalement non. La dernière fois j'ai pu le régler comme ça. Voilà, là c'est bon. Donc là je peux dire à mon petit gars, à Arthur, de venir creuser et vous allez voir, il va se faire ça tout seul. Là il s'est préparé un petit plat de bouffe qui est ici, donc quand il aura faim je pourrai le faire manger. Et là voilà, il va creuser, il va ramener du minerai à chaque fois. Alors le but du jeu c'est quand même d'être plusieurs pour faire ça, d'où l'effet de recrutement. Ok, effect, ok, donc il y a des effets aléatoires de temps en temps qui sont en bonus ou en négatif pour les marchands, pour la négociation des marchandises, des ressources, pour la vente de produits qui peut payer un peu plus cher. Donc ça va vraiment dépendre des événements aléatoires. La démo là elle dure je crois 6 jours, vous pouvez jouer si je dis pas de bêtises. Et après ça s'arrête. Et il y aura un mode sandbox qui est pour l'instant pas présent.
et où vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez, parce que dans l'idée, vous voyez, vous pouvez vraiment grossir la forge en largeur, en hauteur. Je pense qu'on peut même continuer à descendre parce qu'on voit que le plan le propose. On peut également améliorer les pièces, les étendre, améliorer les pardon, les ateliers, donc la forge et tout. Là, je pourrais le faire augmenter pour 150 gold, mais ça va coûter assez cher, donc on va pas le faire. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux remettre le temps que Maurice s'y creuse, qu'il soit un peu fatigué, qu'on récolte des ressources. Il va aller faire dodo, et on, normalement sur la deuxième journée, on va pouvoir nous proposer d'avoir quelqu'un qui nous rejoint. Donc ça va aider pas mal pour, mais pour pouvoir éminer et transformer et fabriquer en même temps pour continuer à vendre, quoi. En sachant qu'on va avoir des taxes, donc faut faire gaffe, quoi. On va le faire dormir un petit peu, le Georges, là. Voilà, c'est ça. Vas-y, dors. Fais dodo, pas de problème, l'ami. Se met à vitesse x4. Donc 1, c'est pause. 2, vitesse normale. 3 et 4. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Là, ça nous propose donc tout Monty. Le mec de narration. Stone pour nos apprentis. Et normalement, si on prend... Si vous prenez Monty ou Stone, ça va pas marcher. Mais si vous prenez Terris, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il va se pointer... normalement dans la base. 12 coins, ok, ben on a plus d'argent, voilà, pile poil ce qu'il fallait. Donc voilà, Terry 6 points, voilà, je peux le sélectionner et lui dire va creuser pendant que Arthur il ronfle comme un gros cochon. Terry il va continuer à récolter des ressources, voilà, et là ça fonctionne tout seul, et là ça va être optimisé, hein, sachant que là le coffre est plein, il va remplir celui-là, après ils vont aller celui-là. Terry, Arthur, tu vas manger. Voilà, on va laisser Terris faire. On va lui préparer un petit repas, Terris, quand même. Ou un autre, au cas où, comme ça, ce sera fait. Voilà, vas-y, fais ça. Là, il est boost d'énergie. Vas-y, maintenant, dabaille. Tu vas enfondre ça. On va attendre d'avoir une quinzaine de lingots de près, je pense. Histoire de pouvoir traiter quelques commandes assez rapidement. Pendant ce temps, Terris, voyez, il continue à remplir, vu qu'on continue à taper dans les stocks. Voilà, on va ouvrir la boutique. Là, il y a du petit gars qui va se pointer. On va ralentir la vitesse. On va mettre en normal. Qu'est-ce que tu veux? 7 pour 4, c'est pas énorme. Là, c'est en argent le contour. Donc, c'est pas terrible. Mais ça permet de faire augmenter notre popularité, notre autorité dans le village. Et donc, d'avoir des contrats plus intéressants par la suite. Ce qui est relativement bien foutu. Par contre, Arthur, ouais, excuse-moi, j'ai oublié de te mettre ça en route. Si on le met pas à l'atelier, il y va pas tout seul. Voilà, là, il va enchaîner. En dette, 7 pour 3. C'est pas super bien payé, mais allez, pourquoi pas. On va lui faire crédit à lui. Toi, ok, pour 2, c'est bon. Terris, il y a pas mal de ressources. Là, c'est bon, t'as fini. T'as posé, ok, viens fondre. En espérant qu'il y ait du monde qui s'enchaîne. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que des fois, vous enchaînez. Et si vous loupez les commandes, évidemment, les mecs commencent à faire la gueule et c'est moins cool. Donc, allez, papy, je vais t'aider, toi aussi. Toi aussi. Voilà, donc là, vous voyez, on a 3 commandes d'affilée. Arthur forge pas mal, donc ça, c'est cool. Et ça enchaîne, il y a le flou qui rentre. Et on le voit, il y a des compétences, notamment. Alors là, il a pas eu, je crois, mais il est plus spécialisé, effectivement, en métal, vous voyez. Et en fonte qu'en fabrication. Et Terris, normalement, il est doué à peu près comme Arthur, donc pas besoin de se prendre trop la tête à ce niveau-là. Arthur, il est à fond, Terris, il commence à être un peu fatigué. Ok, prestige, yes, ça c'est cool, on est à 15 sur 20. Donc là ils sont contents, ça va nous permettre de débloquer d'autres ressources. Là il y a encore du monde qui arrive, voilà. Donc là ça commence à devenir intéressant. Et là c'est en or, donc 7 pour 2, c'est relativement bien payé. Voilà, il est venu nous payer, papy, donc ça c'est cool. On a 73, ça c'est cool, c'est très cool. Donc Terry ici continue à fondre. On va vider nos stocks de minerais. On va passer la journée une fois que c'est vide et qu'on aura vendu toutes nos barres. Alors ça par contre je crois... Ouais, je crois qu'on peut pas le faire, je vais essayer mais... Ouais, on n'a pas la technologie donc non, désolé, on peut pas te le faire. Sorry le curé, sorry la sorcière, je peux pas t'aider. Ok, Terris il a fait tout ça, il va aller... non, va pioncer. Arthur il est là, il y a encore du monde là qui vient... Ouais. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, on a notre réputation auprès des Français qui augmente énormément. Ok.
Donc là, on a un petit boost de la pluie, voilà. Comme dans la vraie vie, là, j'ai l'orage qui va me tomber sur la gueule dans pas longtemps. Sur l'ordi, ça va être moyen-as. Donc là, il nous reste quoi, 11 lingots, on va essayer de les écouler. Donc 2 pour 11, ok. Contrat or, donc c'est relativement bien payé. Et on, je sais pas si vous avez fait attention, on a démarré avec 200 gold, on est remonté à 98. Ok. Oh, il va me payer 20, mais plus tard, 21. Ah, j'espère qu'il va revenir, même contrat or. Ça paye pas mal, ça, quand même, pour faire une petite armure. Il faut juste que je calcule 3 pile poil. Ok, donc là, on te prend la commande et on ferme la boutique. Terris, t'es ok. T'as pas besoin de manger, donc va. Arthur, tu vas aller dormir en attendant. Et on va mettre le temps à fond. Voilà, comme ça, on va refaire les stocks pour la nuit. Et je trouve ça très intéressant, et notamment la construction. On va essayer d'obtenir assez de ressources et de pognon pour faire un upgrade de la forge et de l'atelier, voir ce que ça nous propose en termes de contrat. Alors là, on voit qu'on est marqué 1 sur 2. Je pense qu'il y a un bug au niveau de maximum number, parce qu'on est 2, donc il n'y a pas de raison. Arthur, c'est bon, t'es à fond, va manger. Oh, je pense qu'il est pourri, le plat. Je pense que le plat est pourri, vaut mieux... Ok, ça, c'est les marchands, donc ils... Ils veulent qu'on négocie avec eux pour leur vendre de l'acier, etc. Et qu'ils rachèteraient à super prix. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Si je valide, voilà. On peut rien faire. Alors, on va remettre le temps en normal. Donc, Arthur, tu vas me fondre. Terris, t'es comment? Tu vas continuer à récolter. Et on va essayer de se préparer une nouvelle journée de travail, quoi. Là, on est à quoi? Number days passed 3. Donc, va falloir faire gaffe. Pour rappel, la démo dure 6 jours normalement, si je dis pas de bêtises. Mais il y a moyen de faire quand même un peu de bifton et d'essayer d'augmenter ça. En sachant qu'on se fait taxer aussi également. Donc à faire gaffe. Là on a quoi? On a 15, 13. Allez, à 15 on ouvre. On ouvre la boutique. Voilà. Et j'espère qu'on va avoir des contrats sympatoches qui vont arriver. Alors petit moine. Ouais, contrat or. Ok, cool. Ça c'est cool. Toi aussi, contrat or. Ok, c'est cool, je prends. Arthur, va travailler. Ah, stop. Attends. Fais-moi ça vite, sinon il va pas être content. Voilà, et là ça va enchaîner, pam pam pam. Ok, 20, ah ouais, mais on a pas la recherche. À la limite, oui. Oui, c'est bon. Ah, mais il y en a peut-être un qui a faim. Alors attends, qui c'est qui a faim? C'est Terris. Ouais, Terris il a faim. Non, c'est pas le bon bouton. Il nous reste quoi? Il nous reste pas beaucoup, mais oui, oui. Oui. Et Terris, faut que t'ailles me fondre ça parce que Arthur, il va être en manque de... Il va être en manque de... de lingots, là, pour faire tout ça. Allez. On va croiser les doigts, que ça passe. Ça va pas passer, voilà, elle est pas contente. Et là, ça n'avait plus assez de lingots pour assurer les commandes. Donc là, ça devient compliqué. On va peut-être fermer la boutique en attendant. Lui, il va attendre. Donc normalement, c'est bon. On va laisser Terris aller manger. Et Arthur, tu vas me fondre encore du métal. Donc, le plus dur, c'est d'avoir des ressources. Donc, d'où là, l'idéal, ce serait d'avoir 2 ou 3 mecs. Enfin, au moins un mec de plus pour que ça se fasse en boucle, quoi. Et qu'on n'arrête pas la prod parce que, bah, vous voyez, ça part très très vite. Donc, ah, mais on n'a plus de bouffe. Excuse-moi. Je peux pas commander à bouffer. Alors ça, ça craint par contre. Ça craint. Désolé mon Terris. Ouais, mange ce que tu peux, mais... Arthur, ok. Et va creuser Arthur en attendant. Terris, c'est bon. Va dormir un petit peu. Tant qu'Arthur, il creuse, qu'il a de l'énergie. Et on va renvoyer Terris creuser. Je crois qu'il n'y a pas talent, smithing. Ouais. Ok. Donc on va faire un petit peu de stock. Ça m'embête de pas pouvoir commander de ressources. Est-ce qu'ils voulaient quoi eux déjà? Ok. Alors. Va fondre. Ok. Refuge. Yes. Stop. Alors, on va prendre la réputation avec l'Angleterre parce qu'on est assez bas.
On va les aider. Ok. Pas de problème. Donc, Terry, Siphon, Arthur, il est comment en termes d'énergie? Il est pas génial, génial. Il y a un peu de ressources. On va ouvrir le magasin. On va laisser sortir. Ok. On va ralentir le temps. Voilà. Va faire la commande. Et Arthur, une fois que t'as fini là le trou, tu viens me faire ça. Viens là. Viens là. Ok, lui il veut pas mal de trucs, mais dans 6 heures, la vache. Donc là, on va les mettre comme ça et on va inverser. C'est-à-dire que c'est. Ah bah sinon on laisse comme ça, hein, on laisse... Par contre c'est les ressources qui vont commencer à piquer. Allez, soyez mignons les gars. Faites-moi vite ça. Allez s'il te plaît Terry, fais-lui vite ça. Ok, thank you. Yes, good. C'est bon, on peut commencer à... On peut commander à bouffer pour nos petits gars quand même, qu'ils puissent se préparer un repas. Donc là, Terry, il prépare des commandes qui doivent déjà être stack. Parce qu'on doit avoir des trucs qui doivent plantouiller. On va aller faire dans mes Arthur. Terry, tu vas forger un peu. Le dernier lingot. Et on va voir comme ça les commandes qui restent. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Est-ce que... On est à combien? On est à 211. C'est pas mal. Est-ce que... Requiert... Femme level 20. Ah c'est je pense qu'il nous manque un poil de notoriété. Donc on va se garder la tunasse pour un peu plus tard. Ok. Alors Terris, là il n'y a plus rien à récolter. Va chercher du minerai dans la mine. Parce qu'on peut le commander, mais c'est beaucoup plus rentable de le faire soi-même. Même si ça prend peut-être un peu plus de temps. Et que effectivement quand on est deux, même à deux, c'est un peu serré quoi. Mais il y a moyen que ça se fasse bien. Arthur, tu vas aller bouffer. Ok, la France donc nous demande les impôts. 14. On va falloir un peu de moula de côté quand même si on veut upgrader notre truc. Et pouvoir être bien quoi. Et nous faire une jolie forge, ça va être sympa. Ça va être sympa. J'aime beaucoup le principe du jeu. Alors, en 2D comme ça, les graphismes, moi ça marche très bien. Si on zoome un peu trop, non. Surtout sur un grand écran, mais si on fait ça de le plus reculé possible, c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Alors là, faut que tu nous fasses ouais, pas mal de lingots. Arthur, qu'on ait un peu d'avance sur les commandes, s'il te plaît. Thérèse, continue à récolter, pas de problème. Arthur, on a combien là? On est à 9, 10. On va monter à 15, on va même pas ouvrir. On va finir les commandes qu'on a en cours là pour le royaume, je crois. On a quelques trucs qui nous reste à faire. Voilà, fais-moi ça. Ok, donc normalement t'as fini toutes les commandes là. Ok. Donc ça c'est cool. Terry, c'était comment au niveau énergie, tout ça? Ça va. Arthur, t'as faim par contre. Donc fais un petit stock à 15, tu vas bouffer. Et après on ouvre la boutique. Voilà, c'est parti. Terry, tu continues à stocker un peu de minerai. Et comme ça, une fois qu'on ouvre la boutique et que Arthur a fini, prends celui-là, vas-y, prends le plat pourri. J'en avais fait un avance, j'en ai même pas vu. Hop, vas-y, va fendre un petit peu quand même. Voilà, et là, on ouvre la boutique. C'est parti. Non, pas pause. On va se mettre en vitesse 2. Vitesse 1. Ok, donc, contre à gold, pas mal, Terris. Arthur va fabriquer. Terris, une fois que t'as fini. Une fois que t'as fini, tu montes là-haut. Oula, oula, oula. 6, 2. Ok. Toi, non. Ok, donc normalement, là, on a le max de notoriété qu'on puisse avoir. Terris, viens là. S'il te plaît. Merci. Ok. Later, pas de problème. 8. 3, pas de problème, tu me payeras plus tard mamie, c'est pas grave. Ouh, ça paye, donc on va fermer la boutique là parce qu'il va nous falloir pas mal de lingots. Je sais pas si on aura assez pour tout faire, enfin en théorie oui. Et on va déjà faire tout ça et on verra par la suite
si on peut assurer tout le monde. On n'a pas assuré tout le monde là. Tant qu'Arthur il bosse, c'est qu'il y a du mail. Donc on va laisser faire Arthur. Ok, il manquait encore des lingots. Vas-y Terry, s'avance. Fais des lingots à Arthur s'il te plaît. Il y a plus rien là Arthur. Si on te renvoie là. Ok, si si, non, il y a encore du mail. Donc allez-y les potes, allez-y. Ok, la démo est déjà finie, j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, dommage. Dommage, donc là ça a pris, vous voyez, 20 minutes en accéléré, mais je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux. Mais vraiment sympathique, et je peux vous le montrer sur Steam. Voilà, vous avez le jeu Anvil Saga, qui est prévu, qui est pas en français, mais vous voyez, c'est pas de l'anglais compliqué, et c'est prévu Whitelist 2021. Il y a déjà eu une démo... Il y a déjà eu la démo, donc vous pouvez la télécharger. Elle est encore disponible, donc ça c'est cool. Vous la téléchargez et au pire vous y jouez dans 2 semaines, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Donc sur ce, mes gamers, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu et pensez à vous abonner, ça fait plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous, je vous fais des bisous. On se retrouve sur une prochaine vidéo, à plus, ciao ciao.